Shalom Israel, this is Bishop Nathaniel. The Israelites have been scattered across the four corners of the earth, as prophesied in Deuteronomy, the 20th chapter. Here in Israel, united in Christ, we need your help to recover the remnant of our people, teach them the gospel. Please help us, support us, and join or donate to the Booster Club today. Shalom. Je reprends Matthieu, chapitre 10, le verset 22. Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom. Mais celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé. On lit ça encore. Et vous serez haïs de tous les hommes. Donc, on va être haïs par le monde entier. OK. Lorsqu'on dit qu'on est israélite, qu'on est les enfants d'Israël, c'est ça qui va générer de la haine envers nous. Si on dit qu'on vient d'Égypte, on est les Égyptiens, il n'y a personne qui... Le monde s'en contrefou de ça. Quand tu dis que tu es un juif, tu vas voir que les personnes sont attentives à ça. OK? Encore plus quand tu changes ton nom de famille à Israël. Tu vas voir, OK, le nombre de questions que ça va générer. Et les personnes qui s'approchent de toi... Ils vont toujours s'approcher de toi avec un sourire. Israël, de quoi? D'où est-ce que ça vient ce nom-là? Ça vient de mon père. Oh oui? Ton père vient d'Israël. That's it. Continue. On lit ça encore. Matthieu 10, verset 22. Le titre de la classe, c'est Secret révélé du Moyen-Âge. OK? Secret révélé du Moyen-Âge. Vas-y. Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom. Mais celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé. Descends à verset 26. Verset 26. N'ayez donc pas peur d'eux. Donc, n'ayez donc pas peur d'eux. Pas peur de qui? De ceux qui vont nous haïr pour le nom de Christ. Vas-y. Car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé. Oui, il n'y a rien qui est couvert qui ne sera pas révélé. C'est-à-dire, tout va être révélé. Relis ça une dernière fois. Car il n'y aura rien de couvert qui ne sera révélé. Va dans... Est-ce que c'est la fin du verset? Non. Non, vas-y. Et rien de caché qui ne sera connu. Et rien de caché qui ne sera connu. Va dans Abdias. Abdias, verset 6. Donc, qu'est-ce qu'on va révéler aujourd'hui? C'est des secrets du Moyen-Âge que Ésaü a cachés. Mais comme dans ce temps-là, dépendamment où est-ce qu'on était, on était en esclavage, ils n'avaient aucune crainte qu'on allait découvrir ces secrets-là, parce que dans ce temps-là, on ne pouvait pas lire, on ne pouvait pas écrire ou quoi que ce soit. Donc, des secrets qui se sont passés entre eux, nous concernant, c'est ça qu'on va révéler. Vas-y, Abdias, verset 6. Abdias, verset 6. Comment les biens des sceaux ont été foulés? Comment les biens d'Ésaü ont été fouillés? Vas-y. Comment ces choses cachées sont recherchées? Comment quoi? Ces choses cachées sont recherchées. Comment ces choses cachées, par rapport à quoi? Par rapport à qui ils sont? C'est quelque chose qui est caché aujourd'hui dans la terre. Qui sont les descendants d'Édom? Ces choses-là qui sont cachées sont recherchées et sont révélées. D'où viennent-ils? C'est quoi leur histoire? C'est quoi notre histoire? Relis ça encore. Comment les biens des sceaux ont été fouillés?
Comment ces choses cachées sont recherchées? Comment ces choses cachées sont recherchées? Va dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, rapidement, chapitre 2, verset 3. De Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3. Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord. Ce jour-là, c'est le jour de Christ, ok? Le jour où est-ce que Christ va revenir, ça dit l'apostasie doit arriver d'abord. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, lorsque vous faites la recherche, c'est l'abandon, que ce soit d'une doctrine, d'une opinion ou d'un parti. Donc, quand est-ce que l'apostasie est arrivée? L'apostasie est arrivée lorsqu'on a dû abandonner notre terre de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque Rome sont venus et ont complètement détruit Jérusalem. Ça a arrivé aussi lorsque on a dû abandonner nos lois, nos coutumes par force durant l'inquisition du Moyen-Âge. On n'avait pas le droit de dire qu'on était juif, on n'avait pas le droit d'observer les lois de Dieu. On devait être, ou bien être baptisé comme étant chrétien, ou sinon, OK, on devait aller en esclavage. Donc, c'est ça l'apostasie. On lit ça encore. Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord. Vas-y. Et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition. Et que l'homme du péché doit être révélé. Donc, deux choses doivent arriver. Les enfants d'Israël vont abandonner leur loi, vont perdre leur identité. Et l'homme de péché doit être révélé. L'homme de péché, c'est l'homme blanc. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi. Tout ce que les blancs amènent sur la terre, ça va à l'encontre des lois de Dieu. Vas-y. Verset 4. Qui s'oppose et s'élève au-dessus de tous ce qui est appelé Dieu. Qui s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, vas-y. Ou qui est adoré. Ou qui est adoré, vas-y. De sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu. Stop. Il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu. Historiquement, contextuellement, lorsque ça a été écrit, qui était assis dans le temple de Dieu? Ou encore qui s'asseyait dans le temple de Dieu? C'était les Romains, c'était Hérode et sa lignée. Lorsqu'il s'est déclaré le roi des Juifs. Le temple, dans le temps, avant la destruction de l'an 70, le temple, le monde appelait ça le temple d'Hérode. C'était pas le même temple qui a été rebâti dans le temps de Zorobabel avec Josué, lorsqu'ils ont rebâti le temple, non. Les Romains sont venus et puis ils ont ajouté des structures au temple. Et on appelait ça, des personnes appelaient ça le temple d'Hérode. On lit ça encore? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 4. Qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu. Vous voyez, les Romains et Hérode et sa lignée s'assied dans le temple comme en se déclarant comme si qu'ils étaient Dieu, comme si qu'ils étaient le roi des Juifs. Vas-y. Déclarant lui-même qu'il est Dieu. Vas-y. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que lorsque j'étais encore avec vous, je vous disais ces choses. Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il puisse être révélé à son moment. Ça, le moment où est-ce que Ésaü doit être révélé, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il est révélé. Aujourd'hui, la vérité sur qui il est, d'où est-ce qu'il vient, son histoire. Aujourd'hui, c'est révélé. Vas-y. Car, verset 7, car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Car le mystère du péché était déjà à l'œuvre, ça veut dire quoi? Ça veut dire Rome, dans le temps où est-ce que Paul était en train d'écrire ça, Rome était déjà à l'œuvre pour essayer de corrompre les enseignements de Christ. OK? Ça, c'est verset 7. Verset 7. C'est le début du verset 7. Vas-y. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre.
Seulement, celui qui maintenant le laisse faire, le laissera faire. Et c'est qui va le laisser faire? C'est Dieu. Dieu va permettre que cet homme puisse faire tout ce qu'il a à faire pour que tout ce qui est écrit dans les Écritures soit accompli. Désolé, vas-y, on recommence, relis ça. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Seulement, celui qui maintenant le laisse faire, le laissera faire. Mm-hmm. Jusqu'à ce qu'il soit ôté. Jusqu'à ce qu'il soit ôté, jusqu'à ce qu'il soit détruit. Jusqu'à ce que Dieu décide que son temps est accompli. Va dans Psaume chapitre 64, verset 2. Psaume 64, le verset 2. Protège-moi du conseil secret des hommes immoraux, de l'insurrection des ouvriers d'iniquité. Les ouvriers d'iniquité. Les ouvriers d'iniquité. L'homme du péché, Ésaü, vas-y. Verset 3. Qui aiguisent leur langue comme une épée et bandent leurs arcs pour tirer leurs flèches, c'est-à-dire des paroles amères. Des paroles amères. Lorsque je m'avance, j'avais cette partie-là que j'ai parlé, j'avais ça plus tard dans la classe, mais juste à lire ça, lorsque vous regardez les nouvelles à chaque soir aux États-Unis, la raison pourquoi les Blancs n'ont aucune sensibilisation en ce qui concerne les Noirs qui se font tuer dans la rue par la police, même s'ils ne sont pas armés ou quoi que ce soit, c'est parce qu'à chaque soir, dans les nouvelles, ils nous présentent comme étant des bêtes sauvages. À chaque soir dans les nouvelles, ils nous accusent pour dire que c'est nous qui sommes les pires criminels, etc., etc. C'est pour ça que lorsqu'on se fait tuer dans la rue, que ce soit entre Noirs ou que ce soit les policiers qui nous tuent, l'histoire ou le narratif de l'histoire, c'est qu'on est les criminels, c'est nous qui sommes les pires, c'est nous qui sommes la raison pourquoi il y a qu'est-ce qu'il y a de mauvais sur la terre, c'est notre faute. Donc lorsqu'ils nous tuent, la majorité du peuple voit ça comme si, oh, c'est normal. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, c'est qui ces personnes-là? C'est des voyous, c'est des gangsters, c'est des thugs, c'est des ci, c'est des ça. Ça, c'est des paroles amères. C'est pour ça que lorsqu'on lit dans l'Apocalypse, ça dit que Ésaü, c'est l'accusateur de nos frères. Psaume 64, verset 3. Qui aiguisent leur langue comme une épée et bandent leurs arcs pour tirer leurs flèches. C'est-à-dire des paroles amères. Verset 4. Afin qu'ils puissent tirer en secret sur l'homme parfait. Qu'ils puissent tirer en secret sur l'homme parfait. L'homme parfait, c'est les enfants d'Israël. C'est quoi qui nous rend parfaits? C'est lorsqu'on observe la loi. Okay? Les Arabes ne peuvent pas être parfaits. Les Africains ne peuvent pas être parfaits. Qui sont parfaits? L'homme parfait, c'est les enfants d'Israël. C'est nous qu'on peut être parfaits lorsqu'on observe la loi. Donc, ça dit qu'ils essaient de tirer sur nous. Ils tirent sur nous en secret. Tout ce que cet homme fait, c'est en secret. Mais, continue. Afin qu'ils puissent tirer en secret sur l'homme parfait. Soudainement tirent-ils sur lui et ne craignent pas. Ils sont sans crainte, vas-y. Verset 5. Ils s'encouragent l'un l'autre dans une mauvaise affaire. Ils parlent de tendre des pièges. Secrètement, ils disent. Attends. Les Blancs peuvent avoir des problèmes les uns avec les autres. Comme dans le temps, les Blancs anglais, les Édomites anglais avaient peut-être des problèmes avec les Édomites espagnols. Les Édomites espagnols avaient peut-être des problèmes avec les Édomites français. Les Édomites français peut-être avaient des problèmes avec les Édomites américains. Mais lorsqu'il s'agissait de nous garder en esclavage, lorsqu'il s'agissait de nous garder dans un état de destruction, ça dit quoi? Ça dit qu'ils s'encouragent l'un l'autre. Ils s'encouragent l'un l'autre. Et je vais vous montrer ça. Relis ça encore. Verset 5. Ils s'encouragent l'un l'autre dans une mauvaise affaire. Ils parlent de tendre des pièges secrètement, ils disent. De tendre des pièges secrètement pour qui? Pour nous, vas-y. Ils disent, qui les verra?
qui va nous voir? Vas-y. Verset 6. Il cherche partout les iniquités. Il cherche partout les iniquités. C'est pour ça aujourd'hui, lorsque vous voyez les choses que les chrétiens célèbrent, c'est les choses qu'ils ont recherchées, les iniquités qu'ils ont recherchées jusque dans le temps d'Égypte, jusque dans le temps de l'ancienne Égypte, jusque dans le temps de l'ancienne Babylone. Toutes les faux dieux, toutes les idoles, toutes les choses d'iniquité qu'ils savent dans la Bible que Dieu était contre ça, ils ont pris ces choses-là pour les amener dans la chrétienté, pour les mélanger avec Christ. Et aujourd'hui, on célèbre, notre peuple célèbre ces choses-là en pensant que ça a rapport avec Dieu, quand ça a zéro rapport avec Dieu. Vas-y. Ils cherchent partout les iniquités. Ils accomplissent une recherche assidue. Une recherche assidue. Lorsque l'homme blanc fait une recherche, l'homme blanc ne fait pas une recherche à demi-mesure. Ésaü fait une recherche assidue. Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils aiment écouter comme musique? Ça, c'était dans les années 60, ça, aux États-Unis. Pour pouvoir savoir comment dominer sur un peuple, tu dois savoir les caractéristiques de ce peuple-là. Qui est ce peuple-là? Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Pour pouvoir, OK, leur tendre des pièges. Vas-y. La pensée intérieure de chacun d'eux et le cœur sont tous deux profonds. Vas-y. Mais Dieu tirera sur eux avec une flèche. Soudainement, seront-ils blessés. Donc, Dieu va se lever pour nous. Dieu va tirer sur la même façon qu'ils essaient de tirer sur nous avec des flèches, Dieu va se lever et tirer sur eux. Vas-y. Verset 8. Ainsi, ils feront que leur propre langue tombe sur eux-mêmes. Leur quoi? Propre langue tombe sur eux-mêmes. Leur propre langue va tomber sur eux-mêmes. Donc, la même façon qu'ils essaient de planifier, de faire des plans secrets, ils disent, oh, qui peut nous voir? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur propre langue, comment est-ce que leur propre langue est tombée sur eux-mêmes? Ils ont révélé des affaires historiques sur qui ils sont et qui nous sommes. Mais dans le temps, ils n'avaient aucune crainte quand ils faisaient ça. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre nous, on était en esclavage, la majorité d'entre nous, on ne pouvait pas lire. Donc là, aujourd'hui, 200 ans après que ces livres-là aient été écrits, 200 ans, 300 ans après que ces livres-là ont été écrits, Dieu a mis l'esprit sur les leaders, sur le bishop, sur le leadership pour pouvoir aller dans ces livres-là pour chercher la vérité. Donc là, il n'y a personne qui pourra dire « Oh non, vous mentez, vous n'êtes pas vraiment les juifs. » Non, là, on va lire les paroles qu'eux, ils ont écrites sur nous, sur qui nous sommes, les paroles qu'eux, ils ont écrites sur qui ils sont. On lit ça une dernière fois. Verset 8. Ainsi, ils feront que leur langue, leur propre langue, tombe sur eux-mêmes. Tous ceux qui les voient s'enfuiront. Va dans Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Verset 1. Apocalypse, chapitre 12, le verset 1. Il apparut un grand prodige dans le ciel, une femme vêtue du soleil et la lune sous ses pieds. Donc la femme représente quoi? La femme représente Israël. OK? La femme représente Israël, la lune et le soleil représentent la sagesse ou encore la loi. Je ne vais pas aller en détail dans ça, mais vas-y. Et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. De 12 étoiles pour les 12 tribus d'Israël. Vas-y. Verset 2. Et elle, étant enceinte, criait, étant en travail et souffrait, prête à être libérée. Donc elle était enceinte de qui? Enceinte de Jésus, de Jésus-Christ. Vas-y. Verset 3. Il apparut un autre prodige dans le ciel. Et voici un grand dragon roux. Un grand dragon quoi? Roux. Un grand dragon roux. Ce grand dragon roux représente qui? Représente Ésaü. Pourquoi? Reste là. Genèse 25-25 rapidement. Un grand dragon roux. Vas-y. Genèse, chapitre 25. Le verset 25.
Et le premier sortit roux, tout couvert comme un vêtement velu. Donc le premier sortit roux. Qui est sorti roux? C'est Ésaü, le frère de Jacob. Et lorsque Jacob est sorti, ils n'ont donné aucune description distinctive pour Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob ressemblait à son père, Jacob ressemblait à sa mère, Jacob ressemblait à toutes les personnes dans Genèse, depuis Genèse chapitre 1. Mais là, tu en as une première personne qui est arrivée, qui est née, avec une description distinctive de toutes les personnes depuis Genèse chapitre, Genèse chapitre 2. Parce que ça dit que Adam était formé de la poussière de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était noir. Donc là, relis ça encore. Genèse 25, verset 25. Et le premier sortit roux, tout couvert comme un vêtement velu. Donc, ils l'appelèrent... Désolé, vas-y. Et ils l'appelèrent Esau. Ils l'appelèrent Esau, encore Ésaü. OK? Donc, c'est qui le qui est sorti roux? C'est Ésaü. Retourne dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 12, verset 3. Il apparut un autre prodige dans le ciel. Et voici un grand dragon roux. Un grand dragon roux qui représente Ésaü, vas-y. Ayant sept têtes. Ayant sept têtes. Et 10 cornes. Et 10 cornes. Les sept têtes, c'est quoi? C'est la Grèce, Rome, l'Espagne, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et les 10 cornes, c'est l'Union européenne ou encore l'OTAN. OK? Les 10 cornes, c'est l'Italie, l'Irlande, le Danemark, la Grèce, l'Allemagne, la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et les Royaumes-Unis. OK? C'est ça, l'Union européenne ou encore l'OTAN. Je sais que j'allais vite. Et si vous n'avez pas eu le temps de prendre note, je vais répéter ça à la fin de la classe. Continue. Je reprends le verset 3. Il a apparu un autre prodige dans le ciel. Et voici un grand dragon roux, ayant 7 têtes et 10 cornes, et 7 cornes sur ses têtes. Verset 4. Et sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel. Le tiers des étoiles du ciel, souvenez-vous, il y avait 12 étoiles. Le tiers des étoiles du ciel, c'est Judas, Benjamin, Lévi. Continue. Il les jeta sur la terre. Il les jeta sur la terre, c'est-à-dire il les a détruits. Vas-y. Et le dragon se tenait devant la femme qui était prête à être délivrée pour dévorer son enfant dès qu'il serait né. Pour dévorer son enfant dès qu'il serait né. Donc, historiquement, de quoi est-ce que ça parle? Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 2, ça dit que Hérode voulait dévorer Christ à sa naissance. OK? Hérode voulait détruire Christ. Donc, de quoi est-ce que ça fait mention? Ça fait mention de la naissance du Christ. La femme, c'est Israël. La naissance du Christ. Et le grand dragon roux qui voulait dévorer l'enfant à la naissance, c'est Rome, c'est Hérode, c'est l'homme blanc qui voulait dévorer Christ à sa naissance. Oliver, verset 4. Verset 4. Révélation, chapitre 12, verset 4. Et sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme qui était prête à être délivrée pour dévorer son enfant dès qu'il serait né. OK, c'est verset 4? Oui. OK, va dans Apocalypse chapitre 13, verset 3. Apocalypse chapitre 13, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes, comme si elle était blessée à mort. Et sa blessure mortelle fut guérie. Donc, on lit ça encore. Ça, c'est une des têtes. Des sept têtes de la bête, des sept têtes du dragon. Relis encore. Et je vis l'une de ses têtes, comme si elle était blessée à mort. Donc, la tête qui fut blessée à mort, c'est Rome, okay? L'Empire romain, en l'an 193 après Christ. Okay? Quand l'Empire romain est tombé au pied de Septime Sévère,
après Jésus, en l'an 193 après Jésus-Christ. Vas-y. Et sa blessure mortelle fut guérie. Et sa blessure mortelle fut guérie. Quand est-ce que sa blessure mortelle fut guérie? Lorsque Rome est revenue en pouvoir, durant l'époque de la Renaissance. Maintenant, donnez-moi 2 secondes. Est-ce que c'est la fin du verset 3? Non, officier. OK, continue. Et sa blessure mortelle fut guérie. Et tout le monde s'interrogea sur la tête, sur la bête. Et tout le monde s'interrogea sur la bête. Maintenant, le premier livre. OK. Donc, le premier livre. Jews of Spain and Portugal and the Inquisition. Par Frédéric David Mokata. Esaü. L'année. Je sais que c'est un petit peu flou. 1877. Okay. Lis ça pour moi. Juifs d'Espagne et de Portugal. Et l'Inquisition par Frédéric Mokata. 1877. Ok. Est-ce que tu vois tout ou est-ce que ça... Tu vois tout? Ok, vas-y. À la fin du 6e siècle, le nouveau christianisme catholique romain fut accepté comme religion par les gothiques espagnols. Et de nouvelles lois d'intolérance suivirent rapidement. Il y a quelqu'un qui doit mettre son micro en mieux. OK. Désolé, recommence. OK. Juifs d'Espagne et de Portugal et l'Inquisition par Frédéric Mokata, 1877. À la fin du 6e siècle, le nouveau christianisme catholique romain fut accepté comme religion par les gothiques espagnols et de nouvelles lois d'intolérance suivirent rapidement. Donc, les lois d'intolérance qui sont suivies, c'est des lois où est-ce que, qui nous interdisaient de suivre nos lois, les lois de Dieu, les commandements, etc. Continue, les persécutions. Les persécutions devinrent si fréquentes et si violentes qu'un grand nombre de Juifs situés au sud de l'Espagne cherchèrent refuge sur les côtes de l'Afrique. Et une bonne entente se forma entre eux et les morts, qui leur avantagea lorsque ces derniers traversèrent le détroit et envahirent la péninsule. Ok, vas-y. Sans aucun doute, la sympathie des Juifs, oppressés et chassés sous la domination des Goths, furent fortement en faveur des envahisseurs. Donc, lorsqu'on est allé en Afrique, lorsqu'on a décidé de partir de l'Espagne parce qu'il y avait la persécution, on a fait une alliance avec les morts. OK? Les morts, ça, c'était les Noirs qui se sont convertis à l'islam. OK? Vas-y. Avec qui ils étaient plus alliés par un principe de parenté. Monothéisme. Le principe de parenté monothéiste, c'est l'islam, les croyances de l'islam, beaucoup de croyances de l'islam viennent de quoi? Viennent des Juifs. Oh, il y a un seul Dieu, etc., etc. Donc, c'est pour ça que ça dit qu'ils étaient alliés par un principe de parenté monothéiste, vas-y. Et une race sémitique commune. Pourquoi? Parce que ces morts-là, OK, c'était pas des Kamites. C'était pas des Kamites, ces morts-là. Ces morts-là, c'était des Israélites qui ont été forcés de se convertir à l'islam. Je vais vous montrer quelque chose. Ce livre-là est sorti en 1850. OK? Ce livre-là est sorti en 1850. Encore une fois, par Esaü. On va voir qu'est-ce qu'ils ont écrit sur les Juifs. Ainsi, les Juifs sont un peuple qui, selon la prophétie, a habité seul, sans se mêler aux nations.
Jusqu'à ce jour. Donc, vous voyez, ça dit jusqu'à ce jour. Souvenez-vous la date, 1850. En gros, cette personne-là, qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit, il fait la comparaison avec les Juifs blancs et les Juifs et les vrais Juifs. Okay? Donc, quand ça dit les Juifs sont un peuple qui, selon la prophétie, a habité seul, sans se mêler aux nations, jusqu'à ce jour, il ne parle pas de nous, il parle des Blancs. Parce que jusqu'à ce jour, 1850, ce n'est pas nous qui étions reconnus comme étant des Juifs, on était en esclavage. Vas-y. Jusqu'à ce jour. Maintenant, cette race distingue tous ses descendants d'ancêtres bruns. Car Abraham, Isaac et Jacob devraient être aussi foncés que Mar, Yohanan, sinon plus foncés. Présente sur toutes les nuances de couleurs des Juifs noirs de Malabar, dont nous avons un compte si intéressant de docteur Claudius Buchanan, au teint rose et lisse des Juifs sur les rives d'Elbe. Donc, Elbe, c'est... Ouais, vas-y. Debs, c'est les rivières en Europe centrale qui traversent la République tchèque, l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne. Vas-y. Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin que les Juifs du sud de l'Espagne et de les comparer à ceux de la Hollande ou du nord de l'Allemagne pour percevoir une différence très frappante. Le Juif espagnol a toujours la peau foncée. Donc, le Juif espagnol a toujours la peau foncée. C'est pour ça que, dans le temps des Gothiques, lorsqu'on a été persécuté, où est-ce qu'on s'est enfui? En Afrique. La même façon, comme Jésus nous a dit, avait prophétisé, lorsque les Romains allaient vous persécuter, fuyez dans les montagnes. Quelles montagnes? Les montagnes d'Afrique. Les mêmes montagnes que, où est-ce que Jésus Joseph a pris Jésus et Marie, et on fuit lorsque Hérode voulait tuer Jésus. Ouais, on s'est enfui où? En Afrique. Vas-y. Le Juif espagnol a toujours la peau foncée et ses cheveux sont uniformément noirs. Tandis que le Juif allemand est souvent blanc, blond, comme n'importe quel Allemand, et a les cheveux clairs ou roux, avec les yeux bleus. Donc, vous voyez, il fait la comparaison avec les Juifs qui sont noirs et les Juifs qui sont blancs. Mais le point est que, qu'est-ce qu'il savait en 1850, c'est que les Juifs d'Espagne, les Juifs d'Europe, c'était des Noirs. On va voir un autre endroit où est-ce que, un autre livre où est-ce que ça dit la même chose. Donne-moi deux secondes. Mais tout ça, c'est des Blancs, OK? C'est un physicien britannique, un ichtyologue, et ethnologiste, anthropologiste, anthropologue. Donc ça, c'est tout des Blancs, OK? D'Allemagne, de Grande-Bretagne, qui ont écrit la description. Ça, c'est en 1845, qui ont écrit la description de qui on est, qui sont les Juifs. Vas-y. Une gradation intéressante de couleurs de toutes les nuances jusqu'au noir est remarquée chez les Juifs. Les Juifs d'Espagne et du Portugal étaient particulièrement foncés. Les Juifs portugais étaient très foncés. Vous voyez, les Juifs portugais, les Juifs d'Espagne étaient noirs. Noirs, vas-y. La duchesse d'Abrantes, épouse de l'ambassadeur de Napoléon au Portugal, a déclaré que le Juif, le Nègre et le Portugais pouvaient être vus en une seule personne. Donc, qu'est-ce que cette duchesse-là, en gros, est en train de dire? Les Juifs sont des Nègres.
les Juifs sont des nègres. Tu peux voir le Juif, le nègre et le Portugais en une seule personne. Pourquoi? Parce que les Juifs sont des nègres. Continue. Beaucoup de Juifs bannis du Portugal par Jean II se sont installés aux Antilles. John Bigelow, qui a visité la Jamaïque en 1850, a vu les descendants de ces Juifs et dit qu'ils étaient des nègres. Oui, il dit qu'ils étaient des quoi? Des nègres. Donc, lorsqu'on amène les versets qui marquent que les Juifs étaient noirs, que Jésus était noir, et qu'ils disent, oh non, c'est pas ça, ça veut dire. C'est pas ça, ça veut dire. Non, non, non. Vous avez une mauvaise interprétation de ça. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est une mauvaise interprétation, d'abord. C'est une mauvaise interprétation des Blancs qui ont documenté que les Juifs étaient noirs. Non. Donc, ça veut dire que souvenez-vous, lorsqu'on amenait ces versets-là, on n'avait pas ces références historiques-là. Donc, ça prouve quoi? Ça prouve que c'est nous qui ont raison et le monde entier est dans l'obscurité, le monde entier sont dans l'erreur. Donc, ces Juifs-là qui étaient noirs et les morts, c'est le même peuple. Les morts, c'était des Israélites qui se sont convertis à l'islam. OK? C'est pour ça qu'ils avaient un accord, ils avaient un accord entre eux. On reprend la dernière ligne quand ça dit... Les chassés sous la domination des gothiques furent fortement en faveur des envahisseurs, avec qui ils étaient plus alliés par un principe de parenté monothéisme et une race sémitique. Des communautés de juifs fleurissent. Une race sémitique commune. Donc, ils étaient alliés par un principe de parenté monothéiste, ça veut dire leur croyance en un seul Dieu. Et une race sémitique commune, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'était le même peuple. C'était les morts, c'était des Israélites qui se sont convertis à l'islam. Et les Juifs, c'était les Juifs qui observaient les lois de Dieu. Continue. Des communautés de Juifs fleurirent dans les plus importantes villes de l'Espagne et du Portugal, mais s'établirent aussi au nord des Pyrénées, partout dans le sud de la France. Les nouvelles conquêtes des musulmans furent premièrement assujettis au calife arabe de Damas. Donc les califes arabes de Damas, ça c'était les vrais arabes, ok, les vrais arabes que vous voyez aujourd'hui qui s'étaient intermixés avec les Grecs. C'est pour ça qu'aujourd'hui leurs peaux sont plus claires. OK, donc ça, c'était les vrais Arabes. Vas-y. Mais en l'an 750, Abderrahman, premier de son nom, profitant d'une révolution dans l'est de la capitale, succéda dans l'établissement de son indépendance et gouverna le pays avec grande sagesse et modération. Ce monarque fonda l'université de Cordova, qui pendant plusieurs générations devint avec les écoles de Séville, Granada et Lucena, établie par ses successeurs Abderrahman II et III, les établissements académiques prestigieux de leur temps. Donc aujourd'hui, vous voyez, lorsque certains d'entre nous, ou encore nos amis ou notre famille, lorsqu'ils veulent aller à l'université, lorsqu'ils veulent aller dans des collèges, lorsqu'ils veulent aller dans des lycées, ils ont des lycées qui sont considérés comme étant plus prestigieux que d'autres, qui ont été établis par quoi? Par les Édomites d'aujourd'hui. Mais dans le temps, dans ce temps-là, lorsque vous vouliez avoir une bonne éducation, les universités qui étaient considérées comme étant prestigieuses, c'était l'université où est-ce que les morts étaient et les Juifs étaient. Je vais vous montrer. Lorsqu'ils disent que oh, vous étiez des sauvages, vous étiez non civilisés, vous allez voir que tout ça, c'est des mensonges. Donne-moi, avant que je lise ça, donne-moi Baruch, chapitre 3, verset 36. Baruch, chapitre 3, verset 36.
Baruch, chapitre 3, verset 36. Il trouva tout le chemin de la connaissance et la donna à Jacob, donc son serviteur. Tous les chemins de la connaissance, tous les chemins de la science, parce que nous sommes les fils de Dieu, les fils et les filles de Dieu. Dieu a donné ça à qui? Dieu a donné ça à Jacob. OK? Dieu a donné ça à Jacob. Lis ça. Son serviteur et à Israël qu'il aimait. Et à Israël qu'il aimait. Lis ça rapidement. Juif et mort d'Espagne par Rabbi Jos. OK. Rabbi Joseph Kroskopov, 1886. Leur position en sciences médicinales. Donc ça c'est j'ai pas je suis pas allé en détail, mais ça c'est le, tu vois, quand tu as un chapitre d'un livre qui commence et puis il te donne OK la préface de le chapitre et de quoi est-ce que ça va parler. Donc j'ai juste pris le début des chapitres. Ça dit, c'est quoi, je lis, ça dit chapitre 10 dans la page 45, leur position en sciences médicales. Continue. Le 15e siècle. Le 15e siècle. Un changement dans la fortune des Juifs et des morts. Un examen de leur grande réalisation. Leurs compétences en sciences médicales. Les médecins du corps juif sont très appréciés et recherchés. L'école de médecine de premier plan et de médecine. Et de médecins. De médecins éminents. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est qu'est-ce qu'on vient juste de lire par rapport à les universités, les écoles qu'on avait, OK? Qui étaient considérées comme étant les établissements prestigieux pour la connaissance. Vas-y. Chapitre 11. Ouais, 11. Dans les sciences, page 49. Merveilleuse supériorité intellectuelle des morts et des juifs. Ils introduisent les sciences mathématiques. Leur progrès en astronomie, réfutation absurde par le clergé chrétien. Le clergé chrétien, ça c'est l'Église catholique. OK? L'Église catholique, ça dit réfutation absurde. Eux, ils étaient contre tout ce qu'on faisait, nos avancements intellectuels, nos avancements, ils étaient contre ça. OK, vas-y. Leurs recherches en chimie, zoologie et géologie, ils anticipent les découvertes modernes, l'ingratitude de l'Europe. OK, relise encore leurs recherches. Leurs recherches en chimie, zoologie et géologie, ils anticipent les découvertes modernes. L'ingratitude de l'Europe. Tu sais pourquoi ça dit l'ingratitude de l'Europe? Parce qu'après qu'ils nous ont mis en esclavage, est-ce qu'ils ont mis dans leur livre que la majorité des choses qu'ils ont héritées après qu'ils nous ont mis en esclavage, que ça venait de nous? Non. Vas-y. Chapitre 14, dans les industries. Page 77. Grandeur intellectuelle des morts et des juifs induite par leur prospérité matérielle. Développement remarquable de l'agriculture. De nouvelles découvertes dans chaque industrie. Exploitation minière, une spécialité, l'aimant, appareil mécanique de boussole de marin, l'expansion du commerce conduit à un réveil général de l'Europe qui met fin au Moyen Âge. Donc ça c'est, donc quand ils disent qu'on était des sauvages, quand ils disent qu'on était non civilisés, que la civilisation a commencé avec eux. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Et tu vois, ces mêmes Juifs-là, OK, qui sont allés en esclavage, les descendants de ces Juifs-là qui sont allés en esclavage aux États-Unis,
par exemple, aux États-Unis, qui a en 1885, qui a inventé la machine à écrire, c'est un noir. Qui a inventé la guitare en 1886, un noir. L'extincteur, quand il y a du feu et puis que tu dois mettre fin à ce feu-là, l'extincteur, qui a inventé ça en 1872, un noir. Quelque chose aussi simple qu'une poignée de porc. Moi, je lis ces affaires-là et je me dis, ça, c'est toutes des affaires qu'on utilise aujourd'hui. Je me dis, c'est quoi les Blancs? Les Blancs, ils étaient trop stupides pour pouvoir inventer ça. Mais c'est qui était créatif pour pouvoir inventer ça, même lorsqu'on est en esclavage? C'était des Noirs. La lampe électrique, l'ascenseur, le réfrigérateur, la sécheuse, toutes des choses qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Qui a inventé ces choses-là? C'était des Noirs. Mais aux États-Unis, les lois qu'ils avaient passées, c'était que si ton esclave, si ton esclave invente quelque chose, tu as le droit de prendre ça et de dire que c'est toi qui l'as inventé. Pourquoi? Parce que c'est ton esclave. Ton esclave, c'est ta propriété. Donc, n'importe quoi que ton esclave fait, c'est ta propriété aussi. Donc, c'est pour ça qu'ils ne nous ont jamais donné le crédit qu'ils nous doivent en esclavage, avec les inventions qu'on a faites. Et ça, c'est juste ça, j'ai pris ça en note. Il y avait tellement, tellement d'autres choses qu'on a inventées qu'ils ne nous ont jamais donné le crédit pour ces choses-là. OK? Relis Baruch, chapitre 3, verset 36 encore. Donc, lorsque l'homme blanc dit « Oh, vous étiez des sauvages, vous étiez ci, vous étiez ça. » Excusez mon langage. Bullshit. Bullshit. Baruch, chapitre 3, verset 36. Il trouva tout le chemin de la connaissance et la donna à Jacob, son serviteur, et à Israël qu'il aimait. Pourquoi? Parce que Jacob sont les fils de Dieu. Jacob sont les fils de Dieu. Jacob sont les dieux. C'est quoi? Lis Psaume 82, verset 6. On n'est pas un peuple... on est un peuple spécial. On n'est pas un peuple qui est comme les autres peuples. Psaume 82, verset 6. J'ai dit, vous êtes des dieux. Et vous tous êtes enfants du plus haut. Vous voyez, on est des dieux, on est les enfants du plus haut. On est des dieux, on est les enfants du plus haut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la connaissance que Dieu a mis en nous. L'esprit avec lequel Dieu nous a créés, c'est un esprit qui est différent des autres. Je sais une fois, Deacon Ithan, il avait dit, n'importe quel autre peuple qui serait passé par l'esclavage par lequel on est passé aurait été détruit. Détruit dans le sens exterminé. Mais nous, l'esclavage par lequel on est passé, qu'est-ce qu'on a fait pendant cette période-là? On utilisait notre esprit pour pouvoir être créatif, pour faire des inventions. Vous pensez vraiment qu'un autre peuple qui serait en esclavage aurait été capable de faire la même chose? Tu te fais oppresser à chaque jour, tu es en esclavage, et puis ton esprit est quand même actif pour être capable d'être créatif, pour faire des inventions. On n'est pas un peuple comme les autres. On lit ça une dernière fois. Psaume 82, verset 6. J'ai dit, vous êtes des dieux, et vous tous êtes enfants du plus haut. On est des dieux, enfant du plus haut, enfant du Dieu Tout-Puissant. Vas-y. Verset 7. Mais vous mourrez comme des hommes. Mais on meurt comme des hommes, pourquoi? À cause de notre nature pécheresse. La nature pécheresse qui est en nous, qui nous a consumés et qui a fait en sorte qu'on est allé en esclavage. Mais est-ce que ça a changé qui on est? Non. Est-ce que ça a changé l'esprit avec lequel Dieu nous a créés? Non. Maintenant, OK, lis ça rapidement. En 1321 fut organisée une persécution sauvage dans le sud de la France sous le nom de guerre des bergers, qui, se propageant dans le nord de l'Espagne, ne fut réprimé qu'après de nombreuses effusions de sang par Jacques II d'Aragon, principalement...
Attends une minute, je vais vous dire c'est quoi, c'était quoi la, la guerre des bergers. On lit ça encore, on lit le début. En 1321 fut organisée une persécution sauvage dans le sud de la France sous le nom de guerre des bergers. Donc la guerre des bergers, c'était un complot, lorsque vous faites la recherche, un complot des lépreux. Le complot des lépreux de 1321 était une conspiration présumée de lépreux français pour propager leur maladie en contaminant les approvisionnements d'eau, y compris l'eau de puits, avec leur poudre et poison. Des rumeurs de complot ont éclaté au printemps 1321 et ont terrifié les habitants du sud de la France. La torture des lépreux a suivi et finalement des aveux ont été forcés, donc ils ont été forcés à faire des aveux. Initialement, ils ont blâmé les lépreux seulement. Donc, c'est juste les lépreux au début qu'ils ont blâmé pour ce complot. Mais ensuite, ça dit, mais plus tard, en juin 1321, ils ont déclaré que les lépreux agissaient sur les ordres de juifs qui, à leur tour, avaient été soudoyés par les musulmans d'Espagne dans une tentative d'empoisonner la population chrétienne d'Europe. Donc, ils ont changé. Au début, c'était juste les lépreux. Après, ils ont dit, non, tu sais quoi, on va dire que c'est les juifs. On va dire que c'est les juifs qui les ont influencés ou qui leur ont dit de faire ça. OK? Vas-y, continue. En 1321, fut organisée une persécution sauvage dans le sud de la France sous le nom de guerre des bergers, qui se propageant dans le nord de l'Espagne. Ne fut réprimé qu'après de nombreuses effusions de sang. De nombreuses effusions de sang, ça veut dire qu'ils ont commencé à nous mettre à mort. OK, vas-y. Jacques II d'Aragon, principalement par les armes des Juifs eux-mêmes, peu de temps après, cette terrible peste appelée la peste noire, qui se propageant depuis l'Asie, ravagea tous les pays de l'Europe. Et l'origine de la peste étant introuvable fut attribuée aux Juifs. Donc tu vois, là, ils ont dit c'est qui est responsable pour la peste noire? C'est les Juifs. Vas-y. Bien qu'ils en furent d'aussi grandes victimes comme le reste de la communauté. Donc même si qu'ils voyaient que nous aussi on était victimes de la peste noire, qu'on devenait malade, ils ont dit non, c'est la faute des Juifs. La peste noire, c'est les Juifs qu'il faut blâmer pour ça. Vas-y. Ils furent accusés d'avoir empoisonné les pluies. Néanmoins, la richesse et l'intelligence des Hébreux de la péninsule étaient si indispensables qu'ils continuaient à jouir de leur plus haute place dans l'État qui protégeait toujours leur culte et légalisait la profession de leur foi. Donc, même si qu'ils nous persécutaient, qu'ils nous accusaient faussement, on était tellement indispensable à l'économie. OK? On avait plusieurs postes, que ce soit comme médecin. Toutes les choses qu'on vient juste de lire, OK? Comment on prospérait en Europe avec, OK, notre civilisation. Tout ça, l'Europe dépendait de nous. Donc, la même façon que vous avez Joseph, lorsque Joseph était en Égypte, qui est devenu gouverneur. Lorsque vous avez Daniel et ses frères en Babylone. OK? Qu'est-ce qu'on est en train de lire là? C'est les mêmes choses qu'on lit dans les Écritures avec les prophètes, que même si qu'on était en captivité, Dieu leur a montré... Dieu leur a donné grâce et ils étaient capables, OK, d'accéder ou de graduer à des niveaux où est-ce qu'ils étaient, ils étaient indispensables à l'État, ils étaient indispensables, Joseph était indispensable en Égypte, Daniel et ses frères étaient indispensables en Babylone, Zorobabel et Néhémie,
ils étaient dans des positions où est-ce que c'est des positions convoitées, des positions en haut de l'État. OK? Néanmoins, la richesse et l'intelligence, j'ai le relire. Néanmoins, la richesse et l'intelligence des Hébreux de la péninsule étaient si indispensables qu'ils continuaient à jouir de leur plus haute place dans l'État, qui protégeait toujours leur culte. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient encore en mesure d'observer les lois de Dieu et légaliser la profession de leur foi. Donne-moi Apocalypse. Apocalypse chapitre 11, verset 7. Apocalypse chapitre 11, le verset 7. Et lorsqu'ils auront fini leur témoignage, la bête qui monte de la fosse sans fond fera la guerre contre eux et les vaincra et les tuera. OK, relis ça encore. Et lorsqu'ils auront fini leur témoignage. Donc, lorsqu'ils auront fini leur témoignage, le il de qui est-ce que ça parle? Ça parle de les deux témoins. Les deux témoins, c'est Judas et Israël. OK? Le royaume du sud et le royaume du nord. De quoi est-ce que ça parle quand ça dit qu'ils auront fini leur témoignage? Lorsque vous lisez du verset 1, presque tout le chapitre, du verset 1 à 10, ça couvre l'an 70 après Jésus-Christ et la destruction de Jérusalem. Et ça couvre aussi le Moyen-Âge durant lequel on a régné pendant presque 1000 ans. Et ça couvre notre destruction par Ésaü. Donc quand ça dit qu'ils ont fini leur témoignage, c'est le pouvoir que Dieu a donné aux deux témoins pour régner sur la terre. OK? Je n'ai pas rentré en détail sur ça, parce que juste le chapitre en tant que tel, ça, c'est une classe à part. Si Dieu veut que ce soit moi ou que ce soit Captain Gideon, on pourra toucher OK sur ce chapitre-là, parce que ce chapitre-là, c'est en relation avec le Moyen-Âge. Relis ça une dernière fois. Et lorsqu'ils auront fini leur témoignage, la bête qui monte de la fosse. La bête, c'est qui? C'est la même bête qu'on a lu, le dragon roux, Ésaü. La bête qui monte de la... Vas-y. La bête qui monte de la fosse sans fond. La fosse sans fond, c'est l'Europe. Vas-y. Fera la guerre contre eux. Il a fait et la guerre contre nous, vas-y. Et les vaincra et les tuera. Et les vaincra et les tuera. Vas-y. Alors ça, c'est la continuation de qu'est-ce qu'on était en train de lire lorsqu'ils nous accusaient. Ils nous ont accusés de la peste noire. Ils ont accusé d'avoir empoisonné les puits, etc., etc. Lis ça. Plus grandes, cependant, étaient les fortunes mondaines des Hébreux. Plus le clergé était déterminé à voir leur chute. Donc, plus on devenait riche, plus on était indispensable, plus le clergé, c'est l'Église catholique, était déterminé à nous détruire. Vas-y. Et trouvant qu'il ne pouvait faire que peu d'impression sur les classes dirigeantes, ils se sont alliés avec la population sur les préjugés et les superstitions, de qui il n'était en aucun cas une tâche difficile à exploiter. Donc, lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient incapables d'influencer les classes dirigeantes. Les classes dirigeantes, ça, c'est les rois pour qui on travaillait, pour qui, OK, notre intelligence était indispensable. Lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient incapables de les influencer, ils ont dit, on va influencer la population. La même façon que Ésaü aujourd'hui, avec son système médiatique, la télévision, comme je vous ai dit, ils influencent la population. Ils sont capables d'influencer des milliers, des milliards de personnes en 5 minutes. Lorsque tout le monde, OK, à chaque soir, à 6 heures du soir, peu importe à quelle heure, OK, les nouvelles passent chez vous, dépendamment d'où est-ce que vous êtes, à chaque soir, ils ont des nouvelles. Qu'est-ce qu'ils font avec ces nouvelles-là? Ils peuvent influencer le monde entier. C'est ça qu'ils font en ce moment avec le COVID-19. Le monde entier est sous l'influence des nouvelles de l'homme blanc.
Donc, est-ce que vous pensez que la même façon que... C'est quoi? Continuez à lire. Je vais vous dire quelque chose après. Continuez à lire. La dénonciation de la chair devient plus fréquente et plus passionnée. La chair, encore une fois, c'est le clergé catholique. Vas-y. La population s'enflamma et les quartiers juifs présentèrent aussitôt des scènes de ravage. Et en coupant en morceaux... Attends, tu coupes des parties. Ouais, non, j'ai sauté une ligne, ouais. Je reprends. La population s'enflamma et les quartiers juifs présentèrent aussitôt des scènes de ravage et d'effusion de sang. Donc, ils influençaient la population pour que la population se retourne contre les juifs pour qu'ils puissent attaquer les juifs. Vas-y. Aucune accusation ne pouvait être trop absurde ou trop improbable pour obtenir de la crédibilité. À une certaine époque, les Juifs avaient blasphémé en coupant en morceaux l'hostie consacrée. Quand on voyait le sang en sortir et couler dans les rues, à un autre, on a affirmé qu'il avait trahi par des gestes moqueurs. Qu'ils avaient trahi par des gestes moqueurs, alors qu'une procession religieuse passait. Vas-y. Donc des accusations banales, vas-y. Ensuite, l'accusation la plus fréquente et la plus horrible fut d'avoir volé et assassiné un enfant chrétien dans le but de célébrer leur rite pascal. Donc ça, c'est la Pâque. La Pâque, on est supposé... sacrifier un agneau. Donc là, ils nous ont accusé, ils ont dit, oh ouais, ils ont volé un enfant chrétien et puis ils ont sacrifié cet enfant-là pour la Pâque. Vas-y. Toutes des fausses accusations. Comme je vous dis, l'accusateur de nos frères, c'est Ésaü. C'est pas les Arabes, c'est pas les Chinois. Vous allez voir les Chinois, les Arabes, qui vont peut-être faire quelques fausses accusations. Pourquoi? Parce qu'ils suivent l'exemple d'Ésaü. Mais l'accusateur principal des enfants d'Israël, c'est Ésaü, c'est l'homme blanc. Vas-y. À la suite de ces allégations, les lois spontanaires... Somptuaires. 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 Ouais, je connais pas ces mots. Les lois somptuaires, des édits de restriction obsolètes datant de la période des rois gothiques furent réétablis et les Juifs furent maintenus dans un état de terreur constant. Donc les mêmes lois, souvenez-vous, avant que les morts invadent la péninsule, les mêmes lois qui nous ont forcés à partir pour aller en Afrique, ils sont revenus avec ces mêmes lois-là, les mêmes lois qui nous empêchent d'observer les commandements. Vas-y. Ce qui fit de leur vie un fardeau et une crainte incessante. Un fardeau et une crainte incessante. Moi, deux secondes. Apocalypse 12, verset 10, puisque j'ai parlé du verset. Apocalypse 12, verset 10. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et j'entendis une voix retentissante disant dans le ciel, « Maintenant est venu le salut et la vigueur, et le royaume de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères est précipité. » Donc c'est ça qui va arriver à Ésaü. Il va être précipité, il va être détruit. Mais de quoi est-ce que, comment est-ce que ça l'appelle? Ça le réfère. Comment est-ce que ça le réfère? Ça l'appelle l'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? C'est, voyez comment ils ont fait des fausses accusations pour pouvoir tourner le peuple contre nous, pour pouvoir nous opprimer. Vous pensez que ça ne va pas arriver aujourd'hui?
Vous pensez que ce n'est pas capable d'arriver aujourd'hui? Lorsqu'il y a eu une fusillade aux États-Unis, au New Jersey, où est-ce que des Noirs sont allés dans, je pense que c'était un marché des Juifs blancs, et puis il a commencé à tirer ou quoi que ce soit. C'est qui les premières personnes qu'ils ont décidé d'accuser? Les Israélites. Donc, vous pensez que ces choses-là qu'on est en train de lire en ce moment, les fausses accusations pour pouvoir tourner le peuple contre nous, pour pouvoir, OK, nous donner une image dans les médias, pour que le public puisse nous voir comme étant violent, pour que le public puisse nous voir comme étant dangereux. Vous pensez que ça ne va pas arriver aujourd'hui? Ça va arriver. Mais je vous dis, qu'est-ce qu'on est en train de lire là? Ça va recommencer. Ça a déjà recommencé. Les lois qu'ils ont mis en ce moment, qui disent que vous pouvez pas vous assembler à cause de la COVID-19. Vous pensez vraiment, si vous connaissez la nature de Esaïe, vous savez que les lois qu'ils ont mis en place, c'est pour nous affecter, pour qu'on ne soit pas en mesure d'observer les commandements, pour qu'on ne soit pas en mesure de se rassembler le jour du sabbat. C'est rendu, je ne sais pas comment c'est pour vous en France, mais ici, au Canada, ils peuvent venir chez toi. Et si je ne me trompe pas, je parlais avec l'officier à Montréal, si je ne me trompe pas, ils peuvent venir chez toi sans mandat ou quoi que ce soit. La police, je parle, ils peuvent venir chez toi, frapper à ta porte et rentrer chez toi pour voir qui est chez toi. Et si les personnes qui sont chez toi ne sont pas capables de démontrer qu'elles habitent ici, ils te donnent une contravention. Elle est devenue. Bonjour. C'est la police. Bonjour. Une patrouille, ben. Qu'est-ce que c'est que ça ici, dit? C'est quoi ça, tout ce monde? Merci. Une carte de banque? C'est lui qui va expliquer. Bon, vous allez tous rester ici. Je fais barrage. Madame l'agent, il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce que vous croyez qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Mais monsieur, moi je vais pas faire le deuil. On ne peut pas. Vous savez très bien. Non, mais on ne fait pas ça chez quelqu'un, c'est un deuil. Mais ici non plus, hein. Juste là, c'est un deuil. Et c'est qui? C'est à qui cette carte? C'est un deuil, il est là. C'est quelqu'un qui a la main de la rue ici. C'est à qui la carte ici? Il est là, mais. À la main de ceux qui n'aiment plus, c'est qui vous a ouvert la carte? Qui vous a ouvert la porte? C'est madame l'agent, je ne prends la caméra là. C'est pour nous la caméra. Non, c'est quoi ça? Arrêtez de nous fumer. Versterking. Ik heb gevraagd. Nog. Allez, bravo! Bravo! We zijn tous filmé, hè? Oh, les gars, faut pas faire ça. Pourquoi faire ça? Ouais, voilà. Maintenant, toi, tu vas payer. Ouais, ils sont en train de tenir la porte. La porte est pas fermée. Non, il y a des gens qui retournent. Voilà, ici. Oh putain. Ah, mais non. Carte d'identité. C'est sûr d'être sorti, moi. Carte d'identité. Ça, c'est vraiment. Mais vraiment un manque de respect. Non, vous avez franchement. Moi, j'ai déjà d'arriver. C'est scandaleux. Scandaleux. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de lire là? Ça va revenir graduellement sur la terre aujourd'hui. OK? Vas-y, Apocalypse 12, verset 10, encore, relisant une dernière fois. J'ai presque fini. Et j'entendis une voix retentissante disant dans le ciel,
Maintenant est venu le salut et la vigueur et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères est précipité. Car l'accusateur de nos frères, Esaü, est précipité. Donc, souvenez-vous, en quelle année est-ce que ces fausses accusations-là, ça a commencé en France, dans le sud de la France. Ça a commencé en 1321, n'est-ce pas, au 14e siècle. Dans ce même siècle-là, okay, au 14e siècle, qu'est-ce qu'ils ont commencé à introduire en France? Image of the black in Western art. Désolé pour l'image là, c'est un petit peu flou. OK. On va lire. Elisa. Au 14e siècle, les artistes entreprennent d'illustrer des histoires basées sur les croisades, aujourd'hui élevées au rang d'épopée. La loi du genre, bien sûr, dictait que l'adversaire devait être traité avec insouciance. On va voir c'est qui l'adversaire. Vas-y. La présence de noirs sur les remparts devenait monnaie courante dans les scènes de prise de ville. Ainsi, jusqu'au milieu du 14e siècle, l'image du guerrier noir, ennemi irréconciliable, était solidement ancrée dans l'iconographie française, qu'elle soit liée à la Bible, à la légende ou à l'histoire. Donc, ça dit la présence de noirs sur les remparts. Les remparts, c'est les châteaux. Je vais vous montrer les images. La présence de noirs sur les remparts devenait monnaie courante dans les scènes. Dans les scènes de prise de ville. Les scènes de prise de ville, c'est qu'est-ce qu'on a lu dans Apocalypse chapitre 13, chapitre 11, verset 7, où est-ce que Esaü a commencé à nous conquérir. OK? Ça dit la présence de noirs sur les remparts devenait monnaie courante dans les scènes de prise de ville, ainsi jusqu'au milieu du 14e siècle. L'image du guerrier noir, c'est les morts. OK? Ou encore les morts, un autre nom pour eux, c'est les Sarrasins. OK? Ennemi irréconciliable. Esaü a toujours su que on était leur ennemi. Ennemi irréconciliable était solidement ancré dans l'iconographie française, qu'elle soit liée à la Bible, à la légende ou à l'histoire. Maintenant, laissez-moi vous montrer les images. Donc, vous voyez les remparts, c'est les châteaux. Laissez-moi voir si je peux rapprocher ça un petit peu plus. T'as vu dans les visiteurs? Vous voyez, qui sont au-dessus des remparts? Qui sont au-dessus des châteaux? Les morts. Les Sarrasins. Yeah. Qui essaie de monter pour essayer de conquérir les châteaux? Esaü. OK? L'ennemi, c'est nous l'ennemi irréconciliable. OK? Laisse-moi vous montrer un autre. Ça, c'est... comment il s'appelle? Si je ne me trompe pas, ça c'est Charlemagne. Ça c'est une illustration de Charlemagne. Vous voyez, c'est qui est au-dessus des remparts? Mm-hmm. Les Sarrasins ou encore les morts. Et est-ce que vous voyez la fleur de lis sur le cheval? Ouais. Ça c'est qui ça? Ça c'est les Français. Ça c'est l'iconographie française, OK, avec Esaü, qui venait pour attaquer, pour nous attaquer, pour pouvoir nous conquérir. C'est la même chose. Où est-ce qu'ils sont venus pour pouvoir, OK, nous conquérir? C'est nous qui sommes dans les châteaux, dans les remparts, et c'est eux qui viennent pour nous conquérir. OK,
relis une dernière fois Apocalypse 11, verset 7. Apocalypse chapitre 11, verset 7. Et lorsqu'ils auront fini leur témoignage, la bête qui monte de la fosse sans fond fera la guerre contre eux. Donc tu vois, ils ont fait la guerre contre nous. Vas-y. Et les vaincra et les tuera. Et ils nous ont vaincus et ils nous ont tués. Donc ça arrivait quand? Ça arrivait au Moyen Âge, ça arrivait dans le temps des croisades. OK? Là, tout ce que je suis en train de montrer, ça, c'est juste pour la France. OK? C'est, comme je vous dis, cette histoire-là, c'est une histoire qui est vaste à explorer. Donc, ça, c'est pour la France. Donc, sur ce, j'ai arrêté la classe. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road. Purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.